Et bonjour à tous, c'est Coris et on se retrouve sur Red Dead Redemption 2. Alors, normalement, le souci de micro est cette fois réglé. J'ai pas mal galéré avec, c'est pour ça que vous avez pas eu de vidéo la semaine dernière. Mais normalement, cette fois, c'est bon. Alors, où est-ce qu'on en était? Une petite gourmandise. Du coup, pourquoi il y a un cheval qui est tout seul là? Qu'est-ce que tu fous tout seul toi? Du coup, on doit aller voir notre Roméo local qui voulait. Bah, on doit lui ramener la lettre. Hein, on doit lui ramener la lettre. Et je sais plus, il nous avait donné autre chose, il me semble. Enfin bon, il y a une lettre à lui rapporter. On va faire ça. Puis on va voir où ça va nous amener cette affaire. Je sens qu'on va déclencher la guerre entre les deux en se servant de ce petit couple. Et ça va pas leur faire du bien à eux. Hein. Ou peut-être qu'ils finiront du coup à bibocher, qui sait. Il est où? Il est dans l'écurie? Je crois qu'il est dans l'écurie. Pas de ce côté, de l'autre. Ok. Bon bah. Oh Roméo, pourquoi es-tu donc Roméo? Allez, viens là. Là. Avec son canasson. You got my money? Sure. Did she give anything? For me? Yes. Might I have it? Sure. But it'll cost. Morgan, voyons. I can't be bothered. Here, take it. Oh, thank you, Arthur. You'll... Thank you. My God. Arthur est américain, that's what a woman. She's... This'll get her killed for sure. What? Women's suffrage. Ah. Around here, they don't even like men voting. They bring back the monarchy, given half the chance. Progress is a dirty word in these parts. Unlike incest. Excuse me. I don't want to marry my cousin Matilda. I want to marry Matilda. Décidément. But they're gonna. They'll kill her at one of those rallies they're holding. They've done it before, Mister. You gotta help. No, I'm afraid I don't want no part of it. I'll pay. My family. We've still got some money. Ah bah si t'annonces de l'argent là, forcément il va écouter. Fine. Voilà. No more running around with letters. Thank you. Surtout pour passer par les marais, hein, je leur fais pas. We gotta get going. Du coup, le suffrage des femmes, ouais, bah effectivement, c'est un gros sujet parce que c'est important, clairement. Mais à l'époque, effectivement, ça devait être très 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 mal vu. On va s'attirer des emmerdes encore avec cette affaire. Alors. J'arrête pas de lui rentrer dedans sans le vouloir. Oh, on nous salue, hein. Calm down. I can't be calm. If we don't get there in time, my true love may be shot. Je sais pas ce qu'il dit, y a pas les sous-titres. You gotta let her rally. Well, good as the cause is, I can't let her become a martyr to it. I want to marry a flesh and blood woman. Ça se comprend, oui, exact. Après, si elle est détue, elle est détue, hein. There. There they are. Oh là là, beaucoup trop de jupons. Bo, what are you doing here? I cannot let you go through with this. You'll be killed. I'm prepared to die for the cause. Oh carrément. You know that. Peut-être pas quand même. Please. What? Fight this mob? We must begin. They need me alive. C'est particulièrement effrayant. They need protecting from les protéger. Certain elements. Mostly my family. Ah, ça me semble pas trop trop compliqué du coup. I'll tell you what. Your friend here can drive the wagon for us. It'll allow us to shout. Alors moi à sa place, je serais vexé à mort. Elle a décidé que c'était le cowboy qu'elle connaissait à peine qui va faire leur sécurité pour qu'ils soient tranquilles alors que son homme est là. Hein. À sa place, je prendrais un tout petit peu mal.
like a man joining us sends the right message. Well, I ain't never been in a protest march before, madam. Well, just treat us like the sheep and the folks attacking us like the wolves, and I'm sure you feel right. On va peut-être éviter de buter tout le monde dès qu'ils approchent. Comme ça, quoi. We know our song is a good one, and we know our cause is a pure one. Yes, ma'am. Let liberty ring. Eh bien, allons promener ces dames, hein. We're mothers, wives, housekeepers, and daughters. We cook now. Il y en a qui courent derrière. Il n'y avait pas cette place dans le chariot. Oh, d'accord. Oula, désolé. What was your name? Arthur Morgan. Very good, Mr. Morgan. Not too quick and not too slow. De toute façon, je peux pas aller plus vite, donc ça va vite régler le souci de la vitesse. Very good, very good. Mr. Morgan, are you an old friend of the movement? Je pense que c'est pas trop, en fait, voilà, il a un peu rien à cirer de son côté, hein, c'est pas... C'est pas vraiment un politicien, enfin quelqu'un qui s'y intéresse, Morgan. You can keep your shotgun to yourself. Stay on Main Street. It's a left up here, Mr. Morgan. Look at these people. It's about to get exciting. I can feel it. S'il y a personne qui essaie de vous descendre. Good day, Sheriff. I trust you'll make sure it's a peaceful assembly. Oh, oh, oh. Mr. Morgan, I give you the male of the species. That's a pretty dumb specimen, I grant. Almost there. Ceci dit, il me fait marrer parce qu'il y a quelques quêtes, c'était lui qui taquinait une nana en disant plus ou moins ça, hein. Il a ce petit côté galanterie qui est marrant. Pour un mec de son style, je veux dire. On l'attend pas là. For today is the day we begin to live as equals. Equals! Yes, equal, sir. Fair and equal. This is unnatural. This is nonsense. Fair, equal and free, just as the founding fathers intended. Founding fathers, not founding mothers, you silly old goat. Qui commence à se traîner. What the hell you doing here, boy? Keep your voice down. I'm trying to listen to the speech. Hello, darling cousin. Don't you ever speak to me like that. What are you doing here? Listening, I suppose. Go help Bo. His cousin is a moron. And stop them from ruining the speech. You need to learn yourself some manners, cousin. Haven't you got anything better to do? Oh, you always was Bo, a cocky little... Bo, weren't we just leaving? Who the hell is this? Ils sont gardes du corps. Follow me, Ronnie. What? You'll hit me? Come on. Sir, can you not see how idiotic you are? Come on, Bo. Let's go. Wake now. Montez sur votre cheval. D'accord, donc on va pas... Oh, d'accord, il y a le cheval juste devant. We gotta go before they think twice. Oh, Lord. Follow me, I know a place. It's an old battlefield no one goes to. Ah, le champ de bataille, je vais vous aider. Ça, y'a pas de soucis. Donc on se barre tranquillement. Ok, bon, on a qu'à faire comme ça. C'est vrai que Morgan, je vois pas trop aller voter. Hein. My cousins are my primary concern right now. If everyone knows about Penelope and me... Everyone knows about Penelope and you. I know about Penelope and you, and I've been here all 10 minutes. Bon, un peu plus de 10 minutes, mais... Sooner it's resolved. Mais c'est vrai que... It's dealt with, you mean. We're dealt with. Our families, the Greys and the Braithwaites, we bury our secrets, and we bury them deep. Your secrets and your treasure. You know, Catherine Braithwaite's got a daughter. No one's seen her in years. She weren't right, you know, and Penelope said... I ain't heard about daughters. I heard about gold. Mais toi, y'a que ce mot qui saute à l'oreille.
I fear that's just a story, Mr. Morgan. But I don't know. Y'a pas d'or. This is awful. Nobody died. Ain't that awful. My cousins are vindictive bastards. My brothers are vindictive bastards. My cousins are worse. Famille, okay. It. I know, but... You should leave. I will, as soon as I have enough money. When my family... We have money, but I don't. Is your family very rich? Yes, well, I believe so. Ah. But, they keep me out of the discussions. I have more of a... artistic temperament, so... Oh, is that what they call it? Yes. Oh, you made a joke. I really love her. I do. Well, stick around. Maybe you can die for her as well. I thought you were trying to make me feel better. Look, I gotta go. Me too. Oh, damn! I'm gonna be late. My uncle is quite as bad as I would imagine. Il a l'air vraiment blasé et aveugle. Thank you. Excuse me. Regardez ça, je sais bien que les yeux bleus, c'est particulier, mais personnellement, j'aime pas du tout les yeux bleus sur un cheval. Mais enfin, pas sur un cheval qui fait réaliste comme ça. Sur les chevaux un peu cartoon, sur Star Stable ou tout ça, du bleu, pourquoi pas. Mais là, sur du réaliste comme ça, ça fait cheval aveugle, ça fait... Il manque quelque chose, quoi. Bon, alors. On rentre au camp. Qu'est-ce qui se passe au camp? Abigail. Ok. On va voir ce qu'elle nous veut. Peut-être dans la prochaine vidéo. Il me semble que celle-là elle est pas bien longue, donc en fait. Alors, comme d'habitude, hein, pour ce jeu, de toute façon, je fais émission par émission parce que sinon ça fait des vidéos trop longues. Mais parfois, une seule mission, ça fait une vidéo trop courte. Donc c'est un peu compliqué. Mais bon, vu que c'est compliqué d'enregistrer sur la PS4, voilà, on va avec. Alors. C'est joli cette petite allée avec les arbres. L'ombre des arbres comme ça. Je crois qu'on est à côté du camp des ennemis de la famille de Juliette là. Allez, on va accélérer un petit peu. Sinon, pour parler du sujet du sujet de la vidéo, hein, bien sûr. Non, il est pas en rouge, je me méfie. Bien sûr que le vote pour les femmes est quelque chose d'important. C'est bien plus important, en tout cas, que certaines luttes qu'on voit aujourd'hui où on a l'impression que les femmes ne veulent pas l'égalité. Les entendre parfois, hein. Pas toutes, on est d'accord. La plupart des femmes qui sont féministes demandent juste l'égalité sur un terrain où on a énormément gagné depuis le temps. Hein. On a pratiquement, hein, sauf sur le comportement de certains dégénérés, mais ça c'est encore un autre souci. J'ai du mal avec ma manette là. Qu'est-ce que j'allais dire? Mais oui, en tout cas, les mouvements féministes de l'époque étaient super importants pour ce qu'on a aujourd'hui. Bon, là on parle d'Amérique, mais dans tous les cas, Amérique ou France, il y a eu des mouvements qui ont fait qu'aujourd'hui on a les droits qu'on a aujourd'hui. Dans certains pays, les femmes ne sont encore que des objets, hein. Faut le rappeler. Voilà, voilà. Du coup, on a énormément de chances de vivre en France aujourd'hui. On a énormément de chances de vivre dans ce genre de pays. Alors oui, tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait, mais est-ce que la perfection existe vraiment dans ce genre de domaine? Je suis pas certaine. Il y aura toujours des gens pour ne pas être d'accord. Mais si tout n'est pas parfait et loin de là, on se rapproche quand même d'un pays où il fait plutôt bon vivre sur la majorité des cas. Pas sur tous, nous sommes toujours d'accord. Il y a toujours des cas où ça devient compliqué. Bref, voilà, c'était juste un petit discours à la fin pour vous parler un peu de mon point de vue là-dessus. Qu'on a beaucoup de chance et que il faut réussir à l'avoir aussi. Tout peut être amélioré, mais il y a déjà eu beaucoup de choses à gagner. Voilà.
Allez, et bah écoutez, on s'abandonne ici pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt. On fera la quête d'Abigail. On va voir ce qu'elle veut. En espérant que ce soit pas pour faire du babysitting. Hein. Babysitting comprenant autant son fils que son homme. Voilà. Allez, et bah écoutez, je vous abandonne pour aujourd'hui. Ah oui, non, Thunder est là-bas. Moi, je vous abandonne pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt. Allez, à toutes!